tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation préquelle du prochain tuto. Donc je vous explique vite fait. Au mois de décembre j'avais fait un traveler notebook. J'avais dit que je faisais le tuto après les vacances de Noël. Clairement je n'ai pas eu le temps et ni l'inspiration, je ne savais pas du tout sur quoi partir. Et surtout, vu que j'avais donné celui de Noël à ma mère, je n'avais plus les tailles et tout ça. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas pensé à prendre des notes. Tout ce que je savais, c'est que je le voulais plus grand que celui de Noël. Donc du coup, j'en ai fait un autre pour pouvoir le prendre comme modèle pour le prochain tuto. Puis pour surtout savoir ce que j'allais mettre dedans. Donc celui-là c'est comme celui de Noël, c'est un test. Alors il n'est pas fait pareil, il n'a pas autant de décoration, ou il en a plus, je ne sais plus. Enfin clairement je ne m'en rappelle plus trop en fait. Faudra que je regarde ma vidéo de Noël. Donc là en fait on se retrouve dans la chambre à ma fille, puisque en fait par rapport aux anciennes vidéos nous sommes toujours samedi, et que du coup elle est là et elle regarde les dessins animés dans le salon. Donc ça va être un peu bruyant. Donc du coup c'est pour ça que je suis ici sur son tapis avec Blanche-Neige. Nous avons Cendrillon par là, nous avons Aurore par ici, là, par là, et nous avons Jasmine par là-haut. Voilà. D'où ce magnifique tapis rose. Enfin bref. Donc le modèle, le traveler que je vais vous montrer est un traveler de... Il n'a pas de saison particulière, voilà, il est fleuri, quoi, enfin c'est dans mon style à moi. Donc ça ne sera pas du tout celui-là pour le tuto. On est d'accord, je le ferai au fur et à mesure, voilà, comme ça j'aurai vraiment celui-là de base en fait. Bon, j'arrête de blablater et je vous montre ça. Tada ! Donc voilà, donc c'est un traveler qui fait, si je me trompe pas, mais je sens que je vais me tromper, 14 sur 18, donc 18 sur 14, donc avec des papiers de chez Action, hein, donc ça c'est un ancien bloc de je sais plus quand d'ailleurs, voilà, donc ça... je crois qu'il est pratiquement fait que de l'Action. Donc devant on peut reconnaître les pompons là qui viennent juste d'arriver. Donc de chez Action, ils sont super, ils cartonnent. Les petits camés pareil de chez Action. Et ça c'est des anciennes collections de breloques qu'ils faisaient. Parce que j'ai vu qu'ils en faisaient des nouveaux. Je pensais que c'était les mêmes mais non en fait. Donc voilà, j'ai utilisé donc un gros élastique pour fermer et du plus fin pour la reliure en fait. Devant, donc j'ai mis ces deux papiers. Donc normalement voilà, sinon je le laisse, quand je l'aurai dans mon sac, je le laisserai comme ça je pense. Donc une petite cartoonette toute simple, alors qui vient d'un kit de Studio Light. Oh j'ai juste, voilà... Vite fait, elle n'est pas entière, elle n'est pas complète la carte. Mais c'était pour me faire une petite carte à mettre devant parce que je savais que j'allais mettre celle-là. Donc celle-là est entière. Enfin voilà, j'ai tout utilisé pour faire cette carte. C'est sur les derniers blocs de cartes de chez Action. Et franchement, je crois que je vais aller m'en rechercher un autre. Parce que les fleurs, vous allez voir, il y en a une deuxième dedans. Et franchement, les dessins, ils sont super beaux, ils sont doux, ils sont. Je suis une grande fan. Franchement, là pour le coup, je pense que j'irai m'en chercher un deuxième. Donc, voilà. Ensuite, quand nous l'ouvrons, je le tiens. Donc ici, j'ai mis donc sur la couverture. Des petits donc paperclip donc fait avec des 3D de chez Action. On peut, enfin voilà, j'ai utilisé mon stock, hein, j'ai pas racheté exprès. Donc un 3D avec une que j'ai collé en fait derrière une découpe de dice de chez Action toujours. Voilà, et la deuxième pareil, elle est un peu plus grande.
Et du coup, c'est d'un coup en fait, quand j'ai vu mes 3D, j'ai dit, ah attends, je pense que ça pourrait le faire et tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, comme celui de Noël, je pense que quand j'aurai fait mon planeur thème fleuri comme ça, ils vont atterrir dans mon planeur. J'ai mis ensuite donc ces petites cartes. Alors, je vous ai, comme j'ai fait pour Noël, en fait, je me suis rendu compte que les modèles de cartes des blocs de Studio Light, en fait, les aperçus des cartes finales sont détachables. Donc ça, c'est vachement bien. Du coup, voilà, je les ai récupérés pour ça. Donc il y a celle-ci, celle-ci et celle-là que j'aime beaucoup. Parce que c'est avec des livres. Voilà. Donc ici, il y aura... Donc ça sera exactement le même, hein. Enfin, ça sera le même au niveau du packaging, quoi. Mais les papiers ne seront pas les mêmes. Donc là, nous avons donc trois pochettes, donc des profondes. Voilà. Toc. Parce que ça manquait sur mon... Celui de Noël, ça manquait. Je vais remettre tout de suite. Que je voulais faire des paperclips en shaker et puis j'ai eu la flemme. Je me suis dit, oh, c'est sympa, ça change un peu aussi comme ça. Sur cette page, nous avons donc une base de cartes, pareil de Studio Light, que j'ai trouvé tellement jolie, juste comme ça, que du coup je ne l'ai pas scrappée ni rien. Je l'ai laissée telle quelle, je me dis comme ça au moins si je veux écrire quelque chose dessus. Donc nous avons une pochette faite avec des pochettes plastiques. Donc je pense que je me mettrai la vidéo pour faire les pochettes parce que j'ai déjà tourné cette vidéo-là avec des papiers, avec des feuilles de plastifieuse. Du coup, ouais, je les ferai, je la publierai, voilà, pardon, 1, 2, 3, je la publierai entre celle-ci et le tuto final du Traveler. Donc voilà, avec des pochettes de plastification. Donc j'ai mis des petits 6 stickers paillettes de chez Action. Ici, pareil. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on voit au travers le blanc, mais au final, est-ce que c'est vraiment un inconvénient? Ici, une petite shaker, pareil, faite avec... parce que moi, dans celui de Noël, j'avais fait une shaker, mais avec des pochettes plastiques. Le souci, c'est que moi, je trouvais que c'était trop mou, en fait. Ça me convenait pas. J'avais pas réussi à les mettre dans les élastiques. Ça tenait pas. Enfin, ça m'a gonflé. Du coup, je l'avais collé sur ma couverture. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de pochette. Parce que je l'avais collé là. Il y avait juste la pochette d'ici. Et il n'y en avait pas d'autre après. Et en fait, avec ce principe de feuilles de plastifieuse, ben, les shakers, pour les travelers, toujours, je parle, eh ben, elles sont solides. Je vais vous les montrer après plus en détail. Ici, nous avons un tout petit carnet. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec des petits points. Donc, je n'ai pas démonté de carnet à petits points. En fait, j'ai trouvé un site internet où on peut générer ses propres feuilles. Que ça soit à points, lignées, à carreaux scolaires, à carreaux pour apprendre à écrire, papier millimétré, papier de musique et tout ça. Donc je vous mettrai de toute façon le lien quand je ferai mon tuto. Et j'ai trouvé donc les points, on peut mettre à différents espacements, on peut mettre en portrait, paysage. Enfin vraiment c'est un site nickel, c'est fait en 2 secondes. Enfin franchement j'ai adoré. Donc du coup je me suis fait mes propres carnets. Ensuite ici nous avons une petite découpe de Studio Light là que j'ai eu à Noz il n'y a pas longtemps. Qui est juste terrible. Voilà. Avec une petite tag qui fait partie à la base d'une carte. Voilà. Voilà. Donc le premier carnet, enfin voilà, il y a 3 pages. Hein. Enfin, il y a une, deux, trois, quatre, cinq. Donc il y a 10 pages. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais je trouvais qu'il faisait bien. Donc je l'ai laissé. Ensuite, ici, pareil, une découpe toujours de Studio Light. Voilà. Alors par contre, je crois que j'ai dû avoir un problème ici, là, quand je l'ai embossé, ça a dû glisser parce que par contre, elle est très fragile. Ça. Voilà.
Ensuite ici nous avons le premier carnet. Donc ce premier carnet, nous avons toujours, enfin c'est le même bloc hein, pour tous les papiers, c'est le même bloc de chez Action. Ici une petite feuille de vélum, pareil, qui avait eu à Action fut un moment. J'aurais dû en prendre plus de celui-là parce que franchement il est trop beau. Ensuite, un petit carnet à points. Voilà, avec des découpes de Studio Light. Un die cut pour faire une carte, toujours. Donc on peut reconnaître les livres qui sont sur l'autre carte là-bas. Donc, voilà. Donc le premier carnet. Celui-là il est un peu plus épais, hein. Je l'ai fait en plusieurs fois je crois celui-là. Je sais pas, faut que je regarde. Donc ici, parce que du coup en fait je me suis fait avoir, je la trouvais tellement belle, je dis oh faut que je la mette dedans et en fait elle est en paysage. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai faite. Regardez comment elle est trop belle. J'ai pas réfléchi pour la faire, j'ai pris le modèle hein, mais elle est juste magnifique. Les fleurs là, mais moi je suis une grande fan. Juste en carte comme ça, juste pour mettre voilà, là-dedans ou des tags ou mettre une photo derrière. Moi je trouve que ce bloc est magnifique. Donc je pense que je vais aller m'en chercher un autre. Donc ce carnet a... Je crois qu'il y a le double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Donc là c'est un carnet de 20 pages. J'ai un peu galéré là par contre à découper. Bon ça c'est pas très grave en soi. C'est mieux que le premier toujours. Ensuite la dernière page, un petit sticker. Donc c'est pareil hein, sur l'autre j'ai mis un petit sticker au milieu. Là pareil j'ai mis un petit sticker ici. Une petite découpe de Studio Light. Je suis désolée pour la luminosité hein. On est le soir et dans la chambre à ma fille c'est un peu plus compliqué pour avoir une bonne lumière. Mais ça va. On va pas se plaindre. Donc ensuite, nous avons la suite de notre pochette d'ici là. Donc voilà, qui retombe là en fait. J'ai mis un 3D dessus parce que je me suis rendu compte que les stickers collaient super bien là-dessus. Donc voilà, ça fait une petite déco. Ensuite, sur le deuxième carnet. Donc un vélum toujours. Sur les trois, j'ai mis du vélum. Donc voilà. Ensuite ici nous avons donc une carte. Donc cette fois-ci d'un kit de cartes de chez Studio Light. Studio Light de bip. Studio Light bip. Non, non. Donc voilà. Donc la petite carte. Et ensuite ici nous avons un die donc, que j'ai découpé ensuite parce qu'en fait c'est un die qui perfore la feuille mais qui ne découpe pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un peu comme les bordures que j'ai acheté à AliExpress pour faire mes tags. Voilà, c'est le même principe. Je trouve ça super beau. Donc du coup je l'ai mis là parce que je l'aimais bien et ça m'embêtait de pas le mettre. Donc du coup... Il glisse mal carte dedans. Ensuite, là j'ai pas mis de stickers. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas mis de stickers. Donc là ici c'est un carnet donc ligné que c'est un carnet à la base de chez Action que j'ai démonté. Hein. Et du coup je sais pas combien qu'il y a de pages. 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc un 24 pages. Plus ça va et plus ils sont gros. Donc voilà. Toujours mon vélum. Ici, nous avons la suite de la pochette de là. Voilà. Donc avec mes petits stickers. Et pour le dernier carnet... Alors je vais vous le démonter, enfin le démonter entre guillemets, le séparer pour vous montrer. Donc toujours mon vélum. Ici, ma petite découpe de studio. Ah, ça a collé mon truc. Studio Light en vert. Avec donc
un comment modèle de carte. Alors vous voyez, voilà. Donc ça en fait c'est l'aperçu de la carte et ça c'est voilà une fois qu'on l'a faite quoi. Enfin vous voyez, moi je l'ai pas faite entière pour le coup. Touk. Mais moi je trouve ça super classe. C'est vraiment pas con comme idée. Hein. Alors est-ce qu'ici j'ai mis un autocollant? Non, j'ai pas mis de autocollant. Et je l'ai mis à la fin. Donc voilà, toujours mon papier de bellum. Et la fin du carnet que je n'ai rien mis, hein, parce qu'en soi, la fin, on s'en fiche un peu. Alors, je vais vous le démonter. Donc, je vous explique. Nous avons, donc, nos pochettes. Voilà. Donc, celle-ci, je les ai faites avec celle de chez Action. Et voyez ce que ça fait. Alors, déjà, ça gondole terrible. Et ici, j'ai une espèce de trace. Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je n'en sais absolument rien. Alors, est-ce que ça vient ? Moi je pense que ça vient des feuilles de chez Action, pas de la plastifieuse. La plastifieuse elle vient de chez Action aussi, mais je pense que ça vient des feuilles. Je réessayerai quand même, je rachèterai un paquet parce que j'en ai plus. C'est pour ça que le tuto je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai plus de feuilles plastiques. Donc voilà, donc la première. Et celles-ci sont faites avec des feuilles de chez Lidl et ça ne me le fait pas du tout. Le papier ne gondole pas, ça se tient bien. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Vous voyez? Alors je pense, je vais me tâter, je vais peut-être en faire un plus petit. Je sais pas, je vais. Donc hop, avec mes petits sequins. Ils sont trop beaux mes petits sequins. Donc voilà. Ensuite, bon bah le premier carnet, hein, c'est juste des feuilles. Le deuxième. Alors. Donc vous voyez, ça se comporte comme ça. Donc avec mes petites feuilles. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Et rien n'est attaché en fait. Hein. Tout tient via les élastiques. Par contre, j'ai l'impression qu'ils se détendent vachement les élastiques au fur et à mesure. C'est peut-être qu'une impression, j'en sais rien. Donc voilà. En soi, c'est pas très compliqué à faire une fois qu'on a pris le coup de les faire. C'est pas compliqué. Voilà, ça prend du temps parce qu'il faut les remplir. Enfin, le faire en lui-même, ça prend pas de temps, mais ouais, c'est de les remplir qui prennent le plus de temps. C'est de faire les carnets. Donc c'est vrai que. C'est que je me rappelle plus que c'est qui vous met. Je crois que ça. Ensuite celui-là, tac. Tac. Et mes petits carnets. Donc moi qu'est-ce que je vais en faire? Je pense, bah ça déjà ça va être un carnet qui va, quand j'emmène mon sac quelque part. Je pense qu'il va, il va rester avec moi. Ouais, c'est un carnet qui restera avec moi. On sait jamais si j'ai des choses. Bon, j'ai pas une vie trépidante non plus. Hein. Mais si je vais avec l'école, Aléa, ou. Enfin voilà. Ça me fait toujours de quoi écrire. Parce que l'agenda en soi, c'est bien. Mais c'est vrai que je préfère les carnets. Même si je surkiffe les agendas. Mais voilà. Les agendas, c'est vraiment quand on a énormément de choses à faire et que on sait quoi noter dedans. Bon, moi j'en ai deux. En soi, c'est peut-être pas très utile. Mais j'adore ça. Donc voilà. Touk. Donc ça, et puis ça, ça revient devant. Donc voilà. Donc ça m'a occupé là, ces deux derniers jours. Bah, et parce que le temps de faire les carnets, de faire la structure, de prendre des notes, ce coup-ci j'y ai pensé. Hein, j'ai pensé à prendre des notes.
Du coup, voilà. Donc voilà mon petit traveler. Voilà. En plus, c'est pile la taille que je voulais parce que je l'avais fait beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup, pas énormément plus petit, mais je crois qu'il y a 1 ou 2 cm de différence, je crois. Ouais, je crois qu'il y a 1 ou 2 cm de différence. Donc je vais vous dire ce qu'il vous faudra donc, pour le tuto, parce que je pense qu'il va pas tarder. J'ai essayé de publier à suivre parce que pour pas qu'il y ait trop d'attente. Donc pour un carnet comme ça, donc il vous faut 3 feuilles 30-30. Recto verso, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris recto verso parce qu'au moins, vu que moi mes feuilles de plastifieuse elles tiennent pas trop la secousse, du coup au moins ça fait pas d'épaisseur. Après, si vous avez des feuilles de plastification de bonne qualité, vous pouvez mettre deux papiers voilà, qui pas recto verso. Hein, c'est voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Bon, bah des feuilles de plastification, hein, logique. Pareil, 4. 1, 2, 3, 4. Non, je recommence. Pour donc ce traveler, il vous faudra 4 feuilles 30-30. Enfin, pour vraiment la taille de celui-là. 4 feuilles 30-30. 4 feuilles. Alors je parle juste pour le traveler, je parle pas pour les pochettes. Pour le traveler, il vous faut 4 pochettes, 4 pochettes plastifieurs de 4, voilà, c'est tout, de plastifieuses tout simplement. Du coup des carnets qui vont avec. Donc soit, donc je vais vous redire les mesures, parce que vous pouvez les faire avant à ce moment-là. Donc moi mes carnets font 13 ou 13,5, je ne sais plus. Je vais vous dire les mesures que je suis sûre. Donc 13,5 par 17,5. Voilà, donc il vous en faut 3. D'une vingtaine de pages. Voilà, ça suffit grandement. 3 ou 4. Allez, on va dire 4. Parce qu'il y a 4 élastiques. Donc 4, pareil. Ensuite, des petites feuilles voilà, à mettre à l'intérieur. Donc ça peut être voilà, le vélum en fait de chaque son. Je ne l'ai pas coupé, rien. J'ai pris les feuilles, je les ai pliées en deux. Après, pour celui de Noël, j'avais pris des cartes de chez Action. Après, voilà, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il ne faut pas que ça fasse la page entière. Il faut que ça soit un petit peu plus petit. Et puis, bah, ma foi, bah, des élastiques. Ça, il va vous falloir de l'élastique. Donc, du fin, comme ceci. Donc, moi, je l'ai acheté en mercerie. Hein. Donc, celui-là, je l'avais acheté en sous paquet, quoi, en paquet. Et celui-là, je l'avais pris au mètre. J'ai pris du fin, enfin, j'ai mis du fin à l'intérieur du gros pour la fermeture. Tout simplement parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de gros pour tout faire. Et je me suis rendu compte que vaut mieux mettre du fin pour les reliures. Ça prend moins de place. Voilà. Donc de l'élastique, je ne sais pas combien. Moi je sais que c'était des trucs de 4 mètres. Alors voilà, j'ai pas regardé combien il fallait. Mais ça de toute façon, faudrait que je pense, c'est quand je vais faire le tuto, à vous dire le nombre de centimètres. Mais vu qu'en fait on fait la reliure au fur et à mesure, avant de couper l'élastique, c'est vrai que c'est difficile après de savoir combien exactement il y a. Et puis après de la déco, après c'est la déco de toute façon, je pense pas qu'on va la faire ensemble. Ou alors, voilà, je vous montrerai à la fin, mais la déco c'est vraiment propre à chacun, donc c'est vrai que pour ça... Mais voilà, au moins faire la base ensemble. Donc voilà pour cette petite vidéo. Promis, après je vous laisse tranquille. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai tourné 3 vidéos. Je vais nous faire virer le temps. C'est pour ça que c'est la tempête chez moi.
Enfin bref. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Je vous promets, je vous promets, je vous promets que le tuto arrive juste après. Je dis pas le lendemain, hein, parce qu'il faut le temps que ça charge quand même dans ma maison, puisque c'est très long. Mais voilà, au moins dans la semaine, vous aurez donc le tuto des pochettes. Donc vous aurez d'abord les pochettes comme ça, au pire vous pouvez les faire en avance, comme ça c'est fait. Donc les tutos des pochettes et puis après je vous ferai le tuto du traveler. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!